Mon plat le plus réconfortant, c'est de la junk food. C'est un Big Mac, enfin voilà, une bonne assiette de frites avec de la mayonnaise. J'avoue souvent avoir les goûts alimentaires d'un enfant de 10 ans. Ma madeleine de Proust, c'est la forêt noire que fait ma mère à chaque fête de famille. Elle a une recette bien particulière parce que ce qui est bizarre, c'est que je déteste la forêt noire, mais celle de ma mère, je peux en manger des kilos. Ah, quand j'étais petite, j'aimais avoir deux œufs au plat avec des pommes de terre rondes que je trempais dans le jaune d'œuf, puis dans le ketchup. Voilà, j'avais tout un rituel. Et sinon, j'aimais les boulettes de mes grands-parents avec de la purée, des haricots verts, mais tout écrasé. Ça faisait une espèce de bouillie, c'était hyper bon. Dans mon frigo, il y a toujours du chocolat. Alors, mon père cuisinait beaucoup. Donc, et comme il est parti prématurément, il n'a pas laissé ses recettes. Du coup, je suis très à regarder les recettes sur Internet. Je pense à un aliment et du coup, je regarde ce que je peux trouver autour de cet aliment. J'aime bien la cuisine asiatique. J'aime bien la cuisine thaïlandaise, chinoise. Je suis très pad thaï, cuisine asiatique. Je bois beaucoup de jus de cranberry et j'essaye d'arrêter les sodas depuis quelques temps. Donc je suis plus boisson naturelle, un bon jus de fruits, un bon jus de cranberry, ça me va très bien. Malheureusement, je cuisine pas très bien, donc ils me réclament pas énormément de plats. Mais je fais un très très bon gâteau au chocolat, donc je suis réquisitionnée à chaque anniversaire, que ce soit famille ou pote, pour faire le gâteau au chocolat. Bah oui, je suis addict au chocolat. Mais après, en fait, je suis vraiment une gourmande et une bonne vivante. Donc, je peux dire aussi que je suis addict au fromage, enfin à plein d'autres choses. Mais le chocolat, ça reste quand même ma drogue. J'ai un truc très bizarre. J'ai une addiction à la pâte à gâteau ou à tarte crue. Voilà, ça, je peux la manger. La pâte du 4 quarts, par exemple, crue, je peux la manger à la petite cuillère.